La police de Boston aux États-Unis a détruit deux sacs à dos suspects hier soir, non loin du lieu de l'attentat perpétré il y a tout juste un an. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées et un homme a été interpellé. Le suspect âgé de 25 ans avait le visage grimé et un comportement étrange. Son sac à dos contenait vraisemblablement un autocuiseur à riz. Il est poursuivi notamment pour trouble à l'ordre public. Quelques heures avant cet incident, la capitale du Massachusetts a commémoré le premier anniversaire de la double explosion qui a tué 3 personnes et en a blessé 264 autres. Les bombes artisanales avaient été placées près de la ligne d'arrivée du marathon par les frères Tsarnaev. Tamerlan, l'aîné, avait été tué quelques jours plus tard. Son frère Jokar, 20 ans, sera jugé à la fin de l'année.